J'ai pas l'impression que je vais vous montrer la Lune. Simplement, partager un moment avec vous en essayant de, voilà, d'être le plus sincère possible, quoi. Les légumes ont vraiment beaucoup d'importance dans la cuisine. On dit tous qu'il n'y a plus de produits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais il y a quand même plein de produits sympas qu'on n'avait pas avant dans notre disposition. Ce qui est important, c'est que ce que l'on met ait du sens, quoi. Donc là, j'ai mis pas mal de beurre. Le beurre de micelle est parfait. Moi, la crème, le beurre, ça fait partie de notre histoire de la cuisine, de notre histoire de cuisine. Une cuisine inspirée du moment, de belles découvertes. Pierre Gagnère est un très grand chef. On a cuisiné avec de beaux produits, donc le produit était magnifié aujourd'hui et c'était vraiment, vraiment une superbe expérience et une super journée. Quelqu'un de très abordable et d'une gentillesse pour voilà, son savoir-faire qui partage. Quoi. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la sincérité du chef, son amour des produits. Pouvoir échanger comme ça avec déjà d'autres collègues et puis un grand chef sur des produits, travailler avec lui vraiment en proximité, c'était vraiment exceptionnel. J'avais vraiment envie de vous montrer plutôt peut-être une moyenne gestuelle comme ça, un peu rapide, avec des choses très simples. On peut mettre votre crème épaisse si on veut. Alors. La crème est vraiment normande. L'usine en Normandie, au niveau des tests qui ont été faits, vraiment la crème monte beaucoup plus. Au niveau de la qualité, vraiment c'est irréprochable. Quoi. Il y a un vrai travail qui est vraiment fait avec vraiment sincérité. Hein. Je peux en témoigner. Hein. J'étais un peu angoissé à savoir Pierre Gagnère, est-ce que c'est accessible et tout ça. On avait un panier et Pierre Gagnère a pris des ingrédients, a choisi, on l'a vu comment improviser et ça c'était très impressionnant. On n'arrêtait plus Pierre Gagnère, il nous a fait une douzaine de plats. Je vais me rappeler de ses produits, de ses accords, c'était enrichissant, très enrichissant. Une journée exceptionnelle, Pierre Gagnère qui cuisine devant vous, surtout que rien n'était préparé, tout à l'instinct, tout au dernier moment. Ça fait vraiment énormément de plaisir de partager ça avec lui et son chef. C'est vraiment l'excellence avec un produit d'excellence. Donc merci à la crème et les viandes de nous avoir fait partager ce moment-là. Quoi. Ah bah c'est bien le choix. Hein. Il y en a qui n'ont pas le choix. Ça, ces herbes, il ne faut pas les mettre n'importe comment. Elles ont un vrai sens. Ce genre d'exercice, je fais assez rarement, mais c'est une rencontre avec moi-même en fait, parce que je me dis, est-ce que je suis encore capable, moi, de m'étonner d'abord en premier, et puis de susciter de l'intérêt de la part des gens qui m'entourent. Et je crois que c'était assez réussi. J'ai rencontré des gens très sympathiques, très attentifs, très chaleureux, très professionnels. J'ai compris qu'il fallait faire la pâtisserie comme la cuisine. Je vous invite vraiment à vous accaparer également la pâtisserie. Moi, je découvre hein, cet espace. On sent que c'est un endroit qui vit, qui est joyeux, qui est plein d'énergie. On sent qu'il y a de la passion et on sent qu'il y a de l'authenticité. Enfin, c'est des mots qu'on emploie souvent hein, dans notre relation. Mais moi, je peux vérifier qu'ici, c'est ce qui se passe vraiment. C'était un bon moment de cuisine, je crois. Voilà. Donc de convivialité, évidemment.